Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarinites et aujourd'hui on va gagner notre second badge. Et on est invité au restaurant. Wouhou bah. Ah oui, on a changé de vêtements instantanément. Ah, j'appuie sur B, je vais super vite. Ah ouais, quand même. C'était pas B en fait. Si, mais on est fatigué au moment parce que attends, c'est la mode, tu sais, les barres d'endurance. Oh non, ils ont mis une jauge d'endurance sur le vélo. Non, ils ont pas mis une jauge d'endurance sur le vélo. On a plus de cheveux. Mais non, on a un casque. Bah ouais, mais bon... Ah oui, bah on a perdu nos cheveux. Non, mais elle se prend pour qui hein? Prétendre nous soutenir un challenger en sabotant les autres, ça se fait pas. Ou alors non, c'est peut-être Motisma qui est fatigué, tu vois. Tu vois ce bâtiment au loin, c'est le stade de Kickenham. Ouais, je sais pas, peut-être... Toi aussi, tu te battras là-bas. Non, 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 il y a vraiment... Ouais, il y a vraiment de barre d'endurance. Une jauge d'endurance. Attends, quand même, c'est la nouvelle mode, tu sais. Ah mince, j'étais trop loin. Ah ça va, on descend notre vélo. Ah, je t'attendais pour me défier. Continue d'avancer, je te provoquerai un combat singulier. C'est gentil de nous prévenir. Ah, bon, bah c'est sympa, merci. Je vais voir si. Est-ce que j'ai une petite potion qui traîne? Enfin, c'est pas vraiment une potion dont j'aurais besoin, mais plus d'un antipara. Alors, est-ce que tu es prêt à affronter Nabil? Nous sommes deux fiers challengers ayant tous les deux remporté le match plante. Un duel amical, c'est l'entraînement idéal. Nabil, le dresseur, veut se battre. Il a encore que 3 Pokémon. Il a encore Moumouton, oui. Incroyable. Bon, ça veut dire que Moumouton, il évolue pas. Hein. Incroyable, ce Pokémon. Montre-moi que t'as mérité ton badge. D'ailleurs, Sonia, elle nous a parlé drôlement longtemps ou parce qu'il a fait super vite son arène, quand même. J'avoue. Ah, regarde, tu ralentis le Moumouton. C'est pour mieux le frapper. Ah ouais. Oui, du coup, le double pied, ça fait 2 fois plus de dégâts. Il fait armure, ok. Ah bah j'ai vu, t'as fait une attaque de machin, moi c'est bon. Ah je savais que je lui ferais rien comme dégâts. Pauvre Arthur. Il a un peu de mal. En même temps c'est dur quoi pour lui, c'est une nouvelle vie. Avant il gérait une team et maintenant... Arthur ! Ah tu parles de ce Arthur. Ah, ça y est, à Tonnerre, il en a marre. À Tonnerre, il dit, c'est quand qu'on arrête le stream. Quand on aura fini le jeu, à Tonnerre. Oh non, il a utilisé une super potion sur mon mouton. Ah mince. Moi, il l'a pas fait. Alors qu'il était dans le jaune. Ah, l'avantage, tu peux te dire, c'est qu'il l'utilisera pas sur les autres. Bah, il en a peut-être d'autres. Des fois, les dresseurs en ont deux. Ouais, ouais. Bon, après ça. Bah ouais, à Tonnerre. Coucou, à Tonnerre. Allez, un petit coup critique, Arthur. Non. Non mais attendez, il est en mode non, non mais non, mais quand même. T'as battu le Pokémon, non? Non parce que non, t'en as marre, ça y est. Non, j'en ai pas vraiment marre parce que bah j'en vois pas un Pokémon plus fort, mais disons que. J'en vois pas un Pokémon plus fort, parce que bon, au bout d'un moment, il fait que trop d'armure. Et c'est surtout que mon petit Arthur n'a plus que 4 points de vie, alors. Ah oui, on va faire feuille magique, c'est trop bien. Regardez ça, c'est l'attaque signature de Gardevoir. L'attaque signature de Gardevoir. Gardevoir, c'était une fée avant-gardiste parce que elle faisait feuille magique, parce que les fées ça fait des attaques plantes. Bah ouais. Avant que ce soit cool. Ah faire... Bleuzeille, bah oui. Moi du je vais coup. Faire un combat de on va faire starter. Un combat de Bleuzeille. Moi je fais un combat de Bleuzeille. Enfin techniquement c'est pas son starter donc. Et bonsoir à ceux qui arrivent. Donc officiellement c'est pas vraiment un combat de starter en fait donc. Pas d'aboin. Pas d'aboin. Pas d'aboin. Alors, il va m'empêcher de manger des baies. Bon, bah, c'est parti pour le picorer. Y'a pas de doute, tu maîtrises à fond les affinités de type. Ah oui, là, c'est sa phrase préférée. C'est sa phrase fétiche. Fétiche. Je veux parler. Allez, passe au sérieux, je vais pas te faire de fleurs, je vais dynamaxer. Ah ouais, waouh. Bien joué, Falco. Oula, moi, je suis impressionné là quand même, attention. Hein. Et là, il rigolait pas là quand même. Ah ça y est, je vais pouvoir faire le combat de starter moi aussi. Enfin, t'as peut-être pas encore fait le combat de Bleuzeille. Non, je vais le faire. Là. C'est mon dernier Pokémon. Faut pas que je panique. Désolé, j'étais trop impressionné par la dernière attaque qu'il a fait, parce qu'il a dit qu'il était à fond, tu vois. Moi je dis on devrait faire la même team que lui. On n'a pas d'idée de team. Copions sur Nabil, il a dit que c'était la team du champion. Ah oui, oui. J'en doute pas. Il y avait un groupe œuf fait avant le type fait. Oui, mais Gardevoir n'en fait pas partie. Mais Gardevoir, il fait pas partie de tous les groupes. Oui, ça serait logique qu'il soit dedans. Mais Gardevoir, il est dans le groupe difforme. Donc bon, le pauvre. Tu ressembles à rien, Gardevoir.
T'es tellement moche que tu fais partie du groupe difforme, mais non, mais... Tu ressembles à un humain, tu crois que tu ressembles à un humain, mais pas du tout. Ah, t'as déjà fini. En vrai, ton Bleuzeil, je l'ai battu en deux coups aussi, en fait. Allez, coup de pied. Je sais pas, niveau, il était combien son Bleuzeil? Pas beaucoup. Ah bah si, c'était le niveau pas beaucoup, ça va. Niveau pas beaucoup. Conan, on te niveau pas... Oh, dommage, Arthur. Ah. Attends, on a tous les deux le badge plante, non? Alors pourquoi t'es plus forte que moi? Bah parce que comme je capture plein de Pokémon, petit Nabil, bah mes Pokémon, ils sont beaucoup expérimentés. Amorphe, pas difforme quand même. Pareil. Ah, vol toutou. Oh, ça y est. Un. Remarque, moi, j'ai peut-être quelque chose qui va évoluer. Non. Eh, bah, t'assures de plus en plus. Regarde, il est devenu plus svelte. Zipzoum. C'est vraiment Zipzoum, maintenant. Quoi? Parce qu'avant, c'était Zipzoum. C'est pas Zipzoum. Il fait 1 mètre, il fait 34 kilos. Produit d'électricité pour la transférer dans ses pattes pour mieux courir. Ainsi, il peut foncer pendant 3 jours et 3 nuits. Ça veut dire qu'il court vite, maintenant, ou il est toujours aussi lent? Parce que bon... C'est un Pokémon électrique, t'inquiète, il est lent. Bah oui, comme Luxray, pas mal ça aussi. Va falloir que je m'entraîne comme un fou si je veux pas me laisser distancer. Tiens, un rappel. C'est pour rappeler Arthur. Le prochain sur la liste est Donna, de la reine du type O. J'ai très bien parlé, moi. Je parle très bien le French. Attends, je vais aller voir Zipzoom, quand même. J'ai pas de Pokémon mort, moi, mais... Non. Je vais plutôt... Alors, il est... Ah ouais, d'accord, hein. Il a gagné énormément de vitesse. Ah, quand même, ça va. Ça va, quand même. Voilà, c'est bon. C'est plutôt RP. J'aurais dû garder Voltoutou dans mon équipe. Il est classe, s'écrit Livol. Ça va, il est sympathique. Je sais pas si je le garde, ceci dit. Waouh. c'est un vrai aboiement. Ouais. Zipzou, bah après, comme tu préfères. On va essayer de découvrir d'autres Pokémon. Une plume armure. Non, mais je vais remplacer par Voltoutou parce que je suis en manque quand même. Franchement, tu devrais. Bon, allez, je vais. Magikarp, c'est rapide. Ouais, c'est rapide. Je vais changer un peu. Je le reprendrai probablement plus tard. Bravo, Dami. Merci. T'as trouvé où une plume? Là. Une plume esprit. Oh, t'as pas la même chose. Ça donne un point de vie. Oui, ça donne qu'un point, mais peut-être que ça a changé. Ouais, peut-être. Vas-y, t'as plus de choses que moi. Et les ponts, c'est référence à blanc de noir 2. Blanc et noir. Blanc de noir 2. Et pareil, il y avait plein de plumes. Attention! Le champion de type O, c'est Donald! Ah, mais vous devez être les mêmes, vous, j'imagine. Ah, elle brille, pourquoi elle brille? Elle brillait? Faut renforcer les points forts de son Pokémon et ignorer les points faibles. Elle ne brillait pas. Erin! C'est ta copine. Ah, mais Erin, c'était mon inséparable. C'était ta copine, donc. Bah oui, elle était trop gentille. Bah le problème, en fait, c'est vrai que comme je change de Pokémon tout le temps, du coup, j'ai que deux Pokémon qui valent le coup, j'aurais peut-être dû garder quand même. Zipzoum. En plus, il a un... Regarde, moi, je fais un combat de Cerebou, c'est trop bien. Et là, c'est le moment où on dit Gambalubi. C'est les ponts d'Ordine et Lunil, t'as rien compris. Mais oui. Référence à Twilight Princess, on joue à Twilight Princess. Mais oui, non mais... Oh là salut là. Mira. Encore Erin. Heureusement, ça c'était le pont d'Ordine, parce qu'après il va y avoir l'autre pont qu'on va traverser, et il va avoir un agent des ténèbres, il va tirer, un agent de l'ombre, pardon, qui va tirer des flèches de feu, et après on va être en mode... on va disloquer notre perso. Il s'est soigné. Allez, Ruby, go! Ah, c'est bon, tu l'as dit. Un chauve-sourire. Le chauve-sourire est aux anges. Allez, on envoie Falco. I prefer the air. Punch! Une attaque plante sur un type plante. Eh oui. Maintenant, c'est un combat de type vol. Picor! Moi, je pense que tout le monde est déçu parce que Pyro, comment il s'appelle là, Pyro, la Pyro, il est pas feu combat. Quelle arrogance, Falco. Le Cerebou Power, c'est quoi la pose du coup? Avec un... Ah oui, je le vois. J'ai perdu, c'est vrai, mais j'ai essayé de ne pas te laisser abattre. Bien joué. Allez, Arthur. Ah, d'argent, trop bien.
Non, et franchement, mais pourquoi dans les jeux Pokémon maintenant on change de vêtements tout le temps? C'est rigolo. Mais moi je préfère être habillé comme ça. C'est pas pour rien que je me suis habillé comme ça. Ah bah là, là, ça. Ah voilà, elle m'affronte. Alors que je suis un machin. Ah, t'as une petite queue de cheval, ne le répète à personne, mais en fait, Pokémon m'aide au travail. Ah, oui, très petite queue de cheval avec toute la masse de cheveux qu'on a. Ah, bah non, d'accord, ok, je me suis changé quand même, attends. Ouais. Ah, c'est une employée! Bon, bah, du coup, je ne verrai pas à quoi on ressemble. Tant mieux! Tant mieux? Bah, tant mieux! Ah, mais c'est un Pokémon poison, je vais rien lui faire! Ah, oui, d'accord. Bah, dis donc, je lui ai fait mal pour un Pokémon poison. Ah mais il n'est pas encore ténèbres, oui. Il n'est jamais ténèbres, si c'est un peu très sûr. Ah mais non, c'est combat, pas... Ah oui, j'ai pas d'attaque normale. J'ai enlevé mon attaque charge. Non mais c'est bon, en 3 coups, je peux battre ce Cradopo. Ça va aller. Cradio ! Bah dis donc, il m'a Cradio rien fait comme dégâts. Il t'a fait beaucoup de dégâts ? Non, il me fait pas mal. Bah c'est normal, t'es Suribou quand même, t'es pas n'importe qui. Ah bah c'est Suribou, c'est le meilleur healer de Donjon Mystère après. Ah, elle en avait qu'un. T'as réussi à battre mon Pokémon alors qu'il est meilleur que moi pour faire mon travail. Oh regardez ça, Eglantina. Wouh Crado. Bon bah je vais descendre de ça, écoutez. Il a appris étonnement, il est choqué. Conseil au dresseur, vous croisez parfois des Pokémon entourés d'une aura indiquant qu'ils sont un peu plus forts que la moyenne. Si vous parvenez à les battre, vous pourrez gagner des watts, donc voilà, hein. Non, je sais, tu l'as déjà dit. Des watts. Oh, on va arriver dans une ville là. D'ailleurs, on est. Tu as réussi à battre mon Pokémon, oui, tu l'as vu. J'allais dire, on est d'accord que l'expérience est redevenue comme blanc et noir là, ça dépend du niveau. Bah, c'est très bizarre comment ça fonctionne. Allez, là, bon. On va dans une ville. Ah, oui, d'accord, ah, oui, c'était long, entre guillemets. Ah, j'avoue, peut-être qu'on peut faire le tour pour aller en bas après. Skiford, le gros chien rouge. Je savais que t'allais dire ça. Ah, c'était facile en même temps. Ouais, mais en même temps, c'est trop simple aussi. Personne connaît ça. Une portière animée par son marché et son célèbre restaurant. Laissez-moi rentrer. Bonjour. Pourquoi est-ce que le Dynamax existe qu'à galère, même le professeur Manuel l'ignore? Bah, nous, à Kalos, on a la méga évolution, même s'ils l'ont aussi à Lola. Et à Owen. Ouais, donc finalement... Et à Kanto. Ouais, bon. Nous, on a rien. Et c'est notre professeur qui l'a trouvé au moins. Alors vous pouvez rien dire. Magikarp est magnifique. Oh. Ah, c'est la copine de Shirose. Je suis navrée, mais le président est très occupé. Ah, mais il y a une chance de bien vouloir nous laisser, merci. Ah, c'est le président derrière. Bon, ok, au revoir, monsieur le président. On dirait qu'il est en caleçon. Mais oui, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je vous donnerai même ma carte de ligue! Mais pourquoi t'es habillé comme ça? Enfin, Liv, tous ces bonnes gens, ont bien le droit de profiter du plaisir que leur apporte ma présence, elle aussi. Ne perds pas de vue que sans le soutien des fans, nous ne serions rien. Sois donc un peu plus aimable avec eux, d'accord? C'est bien beau d'avoir des fans, monsieur le président, mais il faudrait qu'ils vous laissent travailler si vous voulez continuer de les éblouir. Ouais, mais enfin... Monsieur Shirose, moi aussi je vais continuer de tout vous donner pour En plus vous. T'as vu, il est le ventre bedonnant et ouais, tout. Ouais. Ah, c'est formidable à toi, mon petit. Ah, comment tu t'appelles déjà? Travis, monsieur. Ah, bien sûr, le brave petit Travis. Ah, tu as bien grandi, je me souviens encore de toi le jour où je t'ai donné un Pokémon. T'as bien parti pour réussir le défi des arènes, les protéger du maître aussi. Tu m'as fait l'honneur de me soutenir, monsieur le président, je vous décevrai pas. Je serai le meilleur des challengers verts et je vais m'entraîner de ce pas. Putain, mais c'est incroyable! Ah! Davilo, c'est bien cela, hein? Ah, je me demandais justement pourquoi Tarak avait décidé de vous recommander. Il a d'avoir une idée merveilleuse, c'est normal après tout, je suis tellement fabuleux. Mes jeunes amis, vous êtes en route pour affronter Donna, c'est bien cela. Écoutez, je compte vous offrir un bon repas. Passe donc me voir au moment où vous aurez obtenu votre badge pour qu'on célèbre ça ensemble. On va en profiter pour me parler un peu de vous, je suis curieux, là, parce que bon, hein? Monsieur le Président, ce n'est pas pour vous bousculer, mais il serait temps d'y aller. Donc, il faudrait peut-être porter des vêtements, monsieur le Président. Je compte sur vous. Allez, surpassez-vous pour l'avenir de Galar. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Mais qu'est-ce que je dis? Le président a un planning très très chargé. Oh bah, il est tellement chargé. Il a prévu de passer au restaurant. Ouais, mais... Des fruits de mer un peu plus. Mais oh non, pas les fruits de mer, non. Badge et retrouve-nous là-bas. Ne non, le fais pas. Pas les fruits de mer. Est-ce que je peux manger des calamars? Je reviens pas. Je vais offrir du curry. Oh, il est à le restaurant. Oh, il est trop bien.
Ah, finalement, tu vois, c'est pas grave, hein, le... Président Shiro, c'est un autographe. Et ils sont quand même très fans. Bon, on va visiter un peu la ville, quand même. Ça doit être pas facile de battre Donna. Je sais pas lire. Oh, un marché. C'est sympa de cuisiner avec ses copains, mais sur Atsunku, on rigole bien. Est-ce que vous vendez des ingrédients? Des montagnes de remèdes. Oh là là, non, oh, non, les non, fameux. Non. Et là, vous avez mis le paquet pour les mettre, hein, les herbes, machin. Santé, ses encens. Ah bah, les voilà. Ah bah, c'est bon, du coup, tu peux avoir ton rose bouton. Voilà. Il coûte super cher. Pour un chien chidou, des fois, je l'échange pour mon doudou V. Non. Doudou V. Ah, un démon. Pour vol toutou. Un zipzou. T'intéresse ? Tout intérêt du shopping, c'est de pouvoir prendre du temps de choisir. Si je m'entraîne à fond dès maintenant, j'aurai pas de soucis avec les défis. Ah, ça va. Si, wait. Vous pouvez monter ici pour faire le tour. Bon, il dit quoi sinon? Parce que apparemment, tu sais pas lire. Ça doit pas être facile de battre Bona. Bah, c'est ce qu'il t'a dit, non? Oui, oui. Je marcherai jusqu'au bout du monde. Ah, tu descends vers le port. Moi, je pense qu'il y a la reine là-bas, alors faut pas y aller. Ok, ok. J'arrive alors. On a dit, on visite la ville. Bah, je pensais que c'était plus là-bas, la ville. Tenue. Parce que là-bas, c'est... T'as dit quoi? La tenue qu'on porte, c'est incroyable. Ah, on peut rentrer. Bonjour. Bonjour. Nous sommes les Ocarinites, bienvenue. Voici la carte de ligue de Tarak, le maître. Bah tant mieux. Mais pourquoi tu me dis ça? Allez, regarde la télé, c'est mieux quand même. J'avoue, on est trop sympa, on allume la télé. Pas besoin de la télécommande. Bah, c'est le struggle de tout le monde, trouver la télécommande. Bonjour, mamie. Ah, le professeur Magnonia a annoncé la découverte du phénomène Dynamax. Toute permission était en effervescence. Tiens, un peu de bruit de fond. Ouais, les soucis d'électricité. Ouais, non, c'est vrai. Ça n'a pas mordu aujourd'hui, mais j'astique mon attirail de pêche quand même. Bah ouais, si ma canne brille bien, ça va attirer des Pokémon. Enfin, ça, c'est la théorie, parce qu'aujourd'hui encore, je me retrouve bredouille. Regarde des émissions de pêche pour t'aider. Oh, un truc qui... Oh, brille. Des petites filles. Ici, on garde la maison quand Popo et maman seront pas là. Mais on n'est jamais seul, j'ai un Pokémon aussi, c'est juste qu'il se cache là, je il est dans peureux. Une autre maison, moi. Ah oh ouais. C'est bien beau la pêche, mais non, non, télé, pas. Les filles. Si tes méchants viennent nous embêter, mon Pokémon peut nous protéger. Ouais, il est où le Pokémon? Est-ce qu'on peut le voir? Tu parles de quoi? Du sucroquin? Non, ils en ont un autre. Elle a dit qu'elle en avait un, mais il était caché. Mais je vois pas, t'es allé dans quelle maison? Bah, celle-là. Ok. T'as été dans une autre maison, non? Oui, après, je croyais que t'étais parti plus loin. Oh. Ah ouais, je vais faire des... je vais faire du vélo dans les escaliers. Incroyable. Je sens que t'as la gagne, enfin bon. Je dis ça à tout le monde, mais je le pense. Bah tant mieux, c'est gentil monsieur. Salut, c'est moi. Bonjour. Oh, c'est pas évident de différencier les axolotos femelles des mâles. Tu sais comment faire toi? Absolument. Alors, mâle, femelle. Axolette, Axoman. Malo. Axoman. Axoman. C'est trop bien. C'est le meilleur. Je vais appeler mon axoloto comme ça, Axolette. Je sais pas si j'ai un mâle ou une femelle. Moi j'ai une femelle. La musique de ma maman, elle est trop bonne. La cuisine, pas la musique. Mais j'aime bien aller au restaurant aussi. Si un champion est trop mauvais, il ou elle risque de passer en deuxième division. Oh, c'est trop triste. Rétrogradé, tu n'as plus le droit de participer à... T'as été trop nul, désolé. Oh, c'est une gare. Ah. C'est pour faire la liaison. Même si on peut pas faire de vrais combats, on peut s'amuser à imaginer, j'imagine. Ça s'appelle Limitore. On pouvait faire des combats Pokémon dans le train, on s'ennuierait moins. Elle a dit ça s'appelle Limitore. Non, c'est moi qui ai ajouté ça. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'à Unis, on pouvait se battre dans le métro. C'est trop bien. C'est dangereux quand même. Faire séisme dans le métro. Ah, c'est une boutique, c'est vrai. Oui, c'est une boutique. Bah, tu devrais acheter des Pokéballs, t'en as plus. C'est pas faux. C'est le Forbes qui a nommé le deuxième Axoloto, c'est obligé. Ah, la reine, elle est là. Oh, je suis désolée. Ouais, ouais, mais moi, je l'avais vu, la reine, mais je me suis dit, bon, bah, je sais pas. Non, mais j'ai pas du tout vu parce que. Ah, t'es parti. Bah, non, j'y vais pas. Parce qu'au moment où je t'ai dit ça, j'étais ici déjà. Du coup, j'ai pas fait attention, en fait. Ouais, j'aurais pensé que ça serait une ville plutôt grande, mais. Ah. La mine de Galar, numéro 2, c'est un bon coin. Ça grouille de Pokémon durs comme la pierre. Si on est ici, c'est pas empêcher les challengers de passer. Ah, je vois. Oh, regarde, des Pokémon. Mais t'es encore là, toi? Incroyable, ce monsieur. Hein. Oh, regarde comment il se déplace, quand même. Ah, oui, non, mais lui... un fric, là. En parlant de ça, ça va, notre dresseur se déplace beaucoup mieux, quand même, en marchant. Ouais. C'est plus... Playmobil. Oui, c'est plus... comme ça. Oui. Ah, regardez, elle est là. La fameuse. Ah, la fameuse. Ah oui, c'est vrai, j'ai trouvé, on a trouvé ça. Dynamax Ribou. Ah, moi oui, je vais faire ça. Avant d'entrer dans l'arène, il y a peut-être des petits trucs sur les côtés. J'ai vraiment la poisse. Voilà. Ah, la pêche.
Allez, pêchons notre petit Magikarp, hein, quand même. C'est très important. Le Magikarp. Ah, oh. T'as trouvé lui. Embroché. Un embroché. Wow. Zip zoom. Oh, il est super fort. Oh, il y en a plein. Ah bah, plein. J'ai carrément... Ok, bon, je suis désolé, j'étais un peu fort. Ah bah, dommage, t'as raté ta chance. Maintenant, tu vas tomber que sur Magikarp et le crabe. Bargantua. Oh, bah, il a l'air d'avoir des trucs, hein, quand même. C'est un défi que les pêcheurs aiment relever. Ils vont jusqu'à en libérer illégalement dans les lacs, ce qui conduit à la prolifération. Oh, c'est pas bien. J'avoue. Lui monte au niveau 25, Eglantine monte au niveau 14. Sa mâchoire fine et aiguisée fait sa fierté. À peine voit-il le moindre mouvement qu'il font dans sa direction. Ah, je savais que mon cerebou allait évoluer. Ah, c'est une coquine. Du coup, on va avoir un gros bourgeon, c'est ça? Voilà. Ah, allez. Ça va être moins rigolo. C'est clair. Lorsqu'il se ferme, ses pétales sont si durs qu'il ne craint plus les attaques des Pokémon oiseaux. Ah, du coup, ça veut dire quoi? Allez, vas-y, c'est pas si difficile que ça, trou. Loupio. Oh bon, bah ok, je vais chasser encore. Allez, vas-y, Gargantua, tu pourrais apparaître, ça serait sympa. En plus, t'as pas l'air. On dirait là. en plus, t'as embroché. Ah, voilà. Je savais que j'allais avoir le bleu. Ah, mais oui, mais toi, t'as. Moi, j'ai le bleu et toi, t'as le rouge. Ouais, mais j'ai la version bleue, en fait. Enfin, bon, c'est pas grave. Hein. Kalar est une île gigantesque. Les phares, ça a toujours été indispensable pour nous. Pourquoi est-ce que Donna aime tant le phare? Ah, bah c'est pour attirer Mikan. Oh. Ah, bah Donna est là. C'est quoi? C'est des géants. C'est des géants. Parlons à Donna. Tu es une challenger, n'est-ce pas? Eh ouais. Et oui, c'est l'un de déduction. Et tu es parrainé par Tarak. Eh oui, nous autres champions parlons souvent de toi. Ta réputation te précède, mais on vient de commencer. On parle souvent de toi quand même, hein, genre bon, allez, c'est pas mal quand même. Hein. Tiens, c'est pour toi, je suppose que tu as envie d'en savoir plus sur moi. Mais dis donc, on s'échange beaucoup de cartes, vous voulez jamais la nôtre d'ailleurs par contre. Hein. Retrouve-moi au stade de Skiford. Il y a une chose que j'aime encore plus que la pêche, c'est un combat Pokémon. Bah après... On peut rentrer dans le... Non, on peut pas rentrer. Il y a une petite barrière. Oh, on peut pas rentrer dans le phare, on peut jamais rentrer. Oh, Toilélec. Ah, c'est la capacité pour battre. La capacité pour battre Pikachu. Ah, c'est la capacité préférée de Pikachu. Allons quand même ici. Je marche. Ah, franchement, le monsieur, il nous a donné son vélo, il était pas obligé de nous donner la tenue qui allait avec. Ouais, franchement. Allez, t'es prêt à affronter l'arène de l'eau? Peut-être de Skiford. Bah actuellement, il y a quand même un peu de... C'était aussi pour obliger de mettre un casque parce que... C'est bien de mettre un casque. Bah c'est aussi, hein, ils en sont obligés en fait. Enfin, ils sont obligés. Ouais, c'est moi là, hein, canne à pêche. Appa-ball. Ah, c'est trop bien. Y'a pas Appa-ball à dire. Te permet de capturer plus facilement les Pokémon. Mais non, mais regardez, Twilight Princess! Qu'est-ce qu'il y a? Pou-pou-pou! Je vois. Galerie Malder. Y'a pas à dire, c'est une Pokéball faite pour les amoureux des Pokémon. Oh, les Pokémon, c'est trop de la balle. Ah, les Pokéball. Oh, c'est une challenger. On me reconnaît grâce à ma tenue. Ah oui. Non, mais bâtard. C'est... Bon, mais c'est moi, je comprends pas pourquoi il faut se farcir un puzzle avant de pouvoir défier la championne. C'est rien, gna, me fait juste la migraine, moi. L'eau gagne contre Donna, s'il te plaît. L'eau? Non mais pourquoi c'est moi? Tu nous connais en plus? Bah elle était déjà là au dernier stade, elle nous suit, c'est notre fan. Gna gna gna, un dresseur ça doit savoir utiliser sa tête, ça me fait juste la migraine. Avec la Dynamax, tout est une question de timing, ça peut servir de réfléchir aux Pokémon qui peuvent encaisser les attaques Dynamax et de Donna. La force de Donna, c'est ce qui fait sa beauté. Bon, eh bien... Alors, ok, elle est habillée comme Donna. Bonjour, ah d'accord, tu Challenger. Je suppose que tu prends part au défi des arènes et que tu viens affronter la championne de type O? Pas du tout. Oui. Commence par enfiler ton uniforme, le vestiaire est sur ta droite. Parfait, il te va à merveille. Tu peux maintenant commencer la mission. Une fois la mission commencée, tu ne pourras plus accéder à ta boîte Pokémon. Ah, c'est un peu comme si on faisait un petit conseil 4. Oui, bah en fait, c'est ça, on peut pas sortir non plus du coup. Waouh, c'est... Je reconnais ça, Octo Expansion, j'y suis allé ici. Hein, c'était pas bien. T'as pas apprécié, je me souviens, effectivement. Ah, voici... mais oui, c'est Jerry. Ouais, bah oui, voici la mission d'arène de Skiford, les filles. Le but, c'est d'arriver à la sortie du labyrinthe. Pour aujourd'hui, vous avez comme gadget rien du tout. Enfin, ce sera pas si simple, car il se peut que le bloc te bloque le passage. Comment faire dans ce cas, me demandes-tu? Eh bien, qui sait, utilise tes gadgets.
En avant, c'est parti pour la mission d'arène. Moi, je regarde d'ici. Moi, j'aimais bien celui de la 5G parce qu'il donnait à manger quand même. Tu dois faire quoi déjà? Ah, il y a déjà une dresseuse. Bon, en gros, là, c'est juste une arène normale, quoi. Bienvenue au stade de Skiford. Goûte à mon déluge de capacité de type O. Puisque, en fin de compte, c'est juste de faire raccomplir l'énigme. Liana, la dresseuse d'arène. Ouais, elle est motivée, Liana. Allez, vas-y, Sipsou, montre. Ah! Ah non, ça va, il est pas encore sol. Heureusement que je l'ai capturé avant. Donna, c'est Coralie, en fait. Oui, bah... Ah, mais mon Edupio, il va évoluer, et après, je pourrais pas le changer. Mais attendez, mais j'avoue, mais moi, il y a mon Lagiacrus, là. Et voilà, on peut plus passer par là. Et voilà, on peut plus passer par là. Ça en fait un sacré bruit quand même. Purée, ça en fait un sacré Est-ce bruit. Que l'autre, il était. Non, il était bleu, d'accord. Tu connais pas? Bleu, c'est mieux. Eh oui, si, je connais. Ok, alors. Là, ça active rouge. Le jaune. Tu peux couper l'eau en appuyant sur les boutons, mais tu dois trouver dans quelle ordre de faire. D'accord. Mais tu sais que pour arriver jusqu'ici, on est obligé d'appuyer sur les boutons, Emma. T'as peut-être. Ah, le Pokémon que j'arrive pas à trouver, incroyable. Moi ça va, j'en ai un. Et bah t'en as bien de la chance. Parce que un Krabby, il est super dur à trouver. J'arrive pas à le trouver moi à chaque fois. Pourquoi elle est aussi énervée cette dresseuse? Bah parce que c'est comme ça. Parce que, ouais. Parce que, bah, c'est les champions de type O, ils sont comme ça. Enfin, les dresseurs de type O, ils sont comme ça. Et Krapins. Le Krapins. Il a un pince pour toi. Alors ça fait quoi de jouer avec un Suriflore? C'est une toute nouvelle expérience, c'est comme un rêve d'enfant qui se réalise, donc j'ai vraiment j'ai même pas lu son dialogue à elle. J'ai vraiment très hâte de le Dynamaxer. J'espère que... Enfin, je ferai Zénith avant, j'imagine que si je Dynamax avant de faire Zénith, ça va faire un grand... Ouais, je pense. Un grand machin. J'ai visiblement pas trouvé dans quel ordre lancer les capacités. Faut lancer Ren Maker, là. Ah bah voilà. Ah bah du coup, il a déjà évolué. Eh oui, c'est la fétiche. Il est plus. Il me cache un slot. Il a besoin d'une pierre maintenant pour évoluer. Ah oui, mais j'ai pas la pierre. Et là, le Poké Pélago me manque. Je peux pas farmer mes cailloux. Eh ouais. Il vit au bord de l'eau dans les endroits ensoleillés. Il s'endort sur un tas d'algues dans la journée et ne se lève qu'à la nuit tombée. C'est bien parce que maintenant que comme on porte exactement la même tenue, c'est super dur de nous différencier parce qu'on cache notre numéro. Bah après, il y a nos yeux, sinon... Ah oui, bah là, les voit bien les yeux quand même. Hein. Ah bah oui, je vois pas le problème. Tu as les yeux pas de ta mère. Oui, c'est vrai qu'il y a un bleu, normalement. Je suis pas une bleue. Ça doit être le final. Peekaboo. Hein? Mais t'étais pas censé arriver jusqu'ici? En plus, faut qu'on se batte maintenant. J'avoue, elle regarde de l'autre côté. Moi, je joue à un jeu avec une nouvelle génération de Pokémon et je découvre des anciens Pokémon. Bah oui, c'est normal, non? Bah, j'aurais bien joué avec ma petite pomme, mais pas tout de suite. Ouais, bah c'est sûr que la pomme aussi, elle m'intéresse. Et... Mais là, je découvre Voltoutou, enfin Zibou. C'est plus Voltoutou maintenant. Non mais Amidou, au bout d'un moment, tu évolues toi aussi. Là, ouais, tu fais pas le truc spécial pour que j'évolue. Me donner des Qui c'est qui va apprendre d'arnuer? Zigzaton. Oh. Feuille magique. Ah, et ça veut dire que je vais avoir un Zipzoom géant pendant le combat, ça va être trop rigolo. Ah, Zipzoom. Il hérisse ses poils sur le dos. Bah oui, il est énervé. J'avoue que finalement, je viens avec Ruby. J'aurais dû changer de Pokémon aussi. Évidemment, par ailleurs. On a perdu lamentablement. T'as un problème avec Ruby? Ah bah voilà! Maintenant il va pouvoir se déplacer extrêmement vite. Tu vois, toi aussi, tu vois, moi aussi j'ai un Pokémon. Écoute, wow, non mais je l'avais déjà vu, mais vu que tu t'as couru après. Non mais le meilleur, j'espère que quand on ira dans la grande plaine là, on pourra le montrer parce qu'il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il amasse tellement de baies dans sa queue qu'elles tombent les unes après les autres, mais il est si étourdi qu'il s'en rend même pas compte. Regarde ce qu'elle dit. Le dernier dresseur d'arène est généralement le plus fort, mais dans mon cas, on m'a juste rangé au fond parce que je suis trop nul. Oh. Il doit prendre un plot. Moi je dis c'était la meilleure parce que c'est elle qui m'a fait évoluer à Midou quand même. Oui, tu désespérais. Et...
Du coup, merci. T'es la meilleure. Moi je dis c'est la meilleure. C'est tout. Moi, je l'aime, cette dresseuse. Ah, c'était le rouge. Et là, j'imagine que c'est pour rentrer. Trop pressé, moi, j'en plus. Bah, j'avoue, en fait. Ah non, on a une petite énigme à résoudre avant. Alors, quel est le bon chemin? Ah. Moi, j'ai carrément pris le chemin pour rentrer. Attends, mais t'es passé. Ah, t'es non, passé. Non, mais non, mais j'ai pris un chemin comme ça, mais c'est pas le bon. Ne t'inquiète pas, il faut activer le bouton jaune. Et comme ça, après, on est bloqué. Ouais, sûr. Ouais. Du coup, il y a un bouton jaune quelque part qui traîne. Ah. Ah, ouais, d'accord, ok. Il fallait appuyer sur le bouton rouge. Là. Ah, bah oui. Bah non. Bah non, je peux pas passer là, si. Mais si, je peux passer, c'est bon, ouais. C'est pour appuyer sur le bouton jaune avant. Voilà, faut appuyer sur le bouton jaune avant. Une petite maline, Donna. Ah, ils aiment bien faire d'ailleurs beaucoup d'épreuves d'eau au final, hein, parce que là on enchaîne les épreuves d'eau. Hein. On avait Suirène juste avant, et là on a Donna. En 5G on en avait un gars aussi. Je me souviens pas jamais de son nom. Parce que, Amana. De toute façon, globalement ce perso je l'avais complètement oublié. En 4G, je sais pas s'il y avait une personne si, de l'eau. Si, Lovis le Ténueux. Ah bah oui, le fameux. Ah, il y a vraiment beaucoup de dresseurs d'eau, hein. Là il y avait. Après, en 6G, il y avait le cuisinier dans le Conseil des 4. Il y avait le célèbre Juan. Ah oui! Il y en avait même deux, puisqu'il y a Marc et Bah oui, il y en avait deux en réalité. Allez, c'est l'heure. En fait, il y a un dresseur de chaque génération, sauf la 7. Bah non. Bah non, il y a Nefi. Oui. Bienvenue dans mon arène, Challenger. Comme tu le sais, je me nomme Donna. Désolée que tu aies eu à me chercher. Tu es venue au bout de ma mission d'arène, qui était pourtant relativement complexe. Ah, techniquement, on n'est pas venu te chercher. En fait, on se baladait juste. Et je dis cela en toute humilité. Tu possèdes un esprit affûté qui te prédispose à la carrière de dresseuse Pokémon. Mais ton discernement suffira-t-il à te sauver face au torrent de mes attaques? En fait, j'ai le meilleur Pokémon pour l'affronter, parce que déjà, je vais faire Zénith, toutes ces attaques ne serviront plus. Mais en plus, tu résisteras, ouais. Elle pourra vraiment rien faire. Là, elle a une sacrée main. Elle donne des baffes de luxe, elle. Wow. Wow, elle est super souple aussi. Oh, wow. Regarde le Pokémon que j'ai. Regarde, là, il y a deux Pokémon qu'on n'a pas réussi à avoir. Puisque moi, j'ai pas réussi. Ah, elle en a trois, elle. Est-ce que je fais vraiment Zénith maintenant? Oh, je vais peut-être les battre en 5. Mais pourquoi t'as... Ah non, ok, c'est quand on attend, on a Motisma. Une vision Motisma. Allez, on fait le Zénith! Moi j'ai pas peur du poids sirène. Et voilà! Regarde, tu vois, la foule est en délire, mais waouh, on a jamais vu ce Riflor avant! Bon. Non, c'est hâte, hein, c'est pas. Oui, c'est hâte. Il est tout content maintenant. Mais on l'affronte pas. Mais si on affronte Suirène. Bon, ça c'était un coup critique. Ah, tu fais même croissance. Et oui, j'ai tout prévu. Allez, un tour, une attaque. Bon, par contre, il est plus rapide que moi maintenant qu'il a fait hâte. Moi, il a pas eu le temps de faire hâte. Elle est mieux comme ça. C'est dommage qu'ils ont pas annulé cette forme, enfin, je sais pas, il y a plein de Pokémon, ils ont perdu leur forme. Comment ça? Par exemple, les Aiden. Ah. Ou c'est tout. La foule est en délire, la championne se fait décimer. Ça augmente beaucoup maintenant, croissance. Non, c'est non, ça en fait ça augmente de double quand, s'il y a du quand soleil. Quand il fait chaud. C'était pas fini, je gardais le meilleur pour la fin. Oh, elle est trop énervée, regardez-moi ça. Torgamor. J'ai pas passé le temps. Je sens qu'il va avoir oui, intimidation. Oui, d'accord, les yeux, waouh. Non, ça va. C'est l'heure. De voir. De changer 120. De rythme. 120 de dégâts. Allez, c'est parti. Voilà, au revoir, Zipzoom. Regardez-moi, Zipzoom géant, incroyable. Zipzoom.
Moi, Sirifleur. Ça fait pas de bruit. Ah, il est vraiment super mignon ce Pokémon. Personne ne le connaît parce Pagamore, que... libère ta puissance de Dynamax et que cette arène devienne un océan. Parce qu'il est toujours caché. Ah, la pauvre, si elle meurt en courant un coup, parce que c'est quand même triste. J'avoue que... Bah allez, c'est de la défense ce Pokémon. Mais moi j'ai monté mon attaque. Mais toi tu vas le... toi tu vas le dégommer, c'est bon. Elle se sera fait décimer. Là. Elle va passer en division 2 après mon combat. Allez, le champ de fleurs. Ah, je l'ai pas tué, moi. Dommage. Moi je l'ai one-shot. En même temps, c'est x4, c'est bon ça. Ah, vous vous êtes fait exploser par le Sirifleur, Donna. Hein. Vous vous avez fait une très mauvaise prestation. Bon, par contre, perdu... faut arrêter avec les normalos machin. Là. Ils sont super sympas, en fait, oui. Ah, et moi, il y aura juste une petite couche, le pauvre machin. Là. On fait deux. Il est super cool, Sirifleur. En Dynamax, c'est génial. Tout comme le public. Oh. Bon bah finalement, la Gekus n'aura pas évolué pendant le combat. J'avoue. C'est mon écureuil qui aura préféré évoluer. Oh. Salut. Tu as fait boire la tasse à tous les membres de mon équipe. Ah bah carrément, oui. Alors... En plus, il y a un champ électrique en plus, du coup. Oh. Attends, ruine le fun un peu. Ah mais il serait voulu. Incroyable! Ah, il faut pas être dégoûté, il est très bien, Amis, en étant évolué. Maintenant, il peut marcher sur les montagnes, telles des ventouses. Il a un pelage noir et blanc, c'est rigolo. Sa texture de Salène est si élastique que la surface des tapis fabriqués avec ce matériau est aussi rebondissante que celle d'un trampoline. Incroyable! Ma foi, je ne peux que reconnaître ta victoire. Poursuis ton avancée victorieuse tout au long du défi des arènes avec l'aide de ton équipe. Qui sait, ta fougue te mènera peut-être jusqu'au titre de maître. Elle vient de perdre face à Nabil, face à BD, maintenant face à nous. L'équipe et toi avez supporté mes dignes de badge, porte le fièrement. Merci. Et voici le badge. Ah, il se colle ici. Lui, il est par là. Heureusement, on le savait. Vous pouvez maintenant capturer les Pokémon jusqu'au niveau 30. Je pense que le champion de type feu se fera une joie de vous affronter, étant donné votre niveau. Super. Super. Bravo, tu as vaincu Donna la championne. Accepte cette ébullition. Non, siphon. C'est nul. C'est une copie de son uniforme en prime. Bah enfin. Ton équipe et toi avez remporté le badge avec brio. Je garderai un œil sur vous pour savoir jusqu'où vous irez comme ça. Eh, hey, je retiens ton nom. Je suis trop content d'être ta fan. Ah. Et t'es si. Ouais, c'est bien débrouillé. Il s'était serré. Ton équipe est fascinante, bon courage. Ah putain, vous avez vu, un Pokémon avait pas mal, m'a dit, mais effectivement. Ah mais ton Pokémon a évolué alors qu'il a rien fait pendant le combat, pas mal. Bon, est-ce qu'on va au restaurant? Oui, on va au restaurant. Ah bah... Président, t'attends au restaurant, bon sang. Ne traîne pas en chemin, s'il te plaît. Voici sa carte de ligue, au cas où tu aurais oublié son visage. D'accord. Il a trop changé, c'est pour ça. Est-ce qu'on va nous donner la carte où il a bien habillé ou pas? Président Chéreux ne remet jamais à plus tard ce qu'il peut faire sur le champ. Il refuse de faire attendre même un instant ceux qui pourraient bénéficier de son aide. Et moi je n'aime pas que l'on fasse attendre le président. Alors au galop! Oh là là, elle est méchante elle, je l'aime pas. Attends, moi je veux voir sa carte. Bah il faut pas le faire attendre, ils ont dit. Ah donc c'est bien ça. Il a une petite Pokéball qui rebondit, c'est mignon. Professeur émérite qui par le passé est parvenu à se hisser à la seconde place du podium des Pokémon Masters. Monsieur Chierose occupe aujourd'hui les postes du président de la Ligue et le PDG d'un grand groupe industriel. Qu'est-ce qui se passe? Elle est trop cool, sa signature. Ah! Ils ont tous une signature? Moi aussi, je veux mettre ma signature dessus. Ah mais non, mais Donna est impressionnante quand même. Oui. Ah ouais, ils ont tous une signature. Ah, toi, t'es pas encore assez connu, Nabil, pour signer? Allô, elle m'a pas signé la carte. Désolé. Déçu. Bon, j'estime que quand on va manger au restaurant, ça va soigner nos Pokémon. Après un bon repas. Non, Chérose va nous affronter, bien sûr. Sera-t-il toujours en short bizarre? Alors, je suis pas sûr que c'était réellement. Non. Bienvenue au Brésil. J'ai pas faim, finalement. Le meilleur restaurant de. J'ai pas faim. Merci. On va manger du Krabi. De l'embrochet, le président Chéreuse pense passer incognito quand il vient manger ici. Mais tout le monde le reconnaît.
Ah, c'est pour ça qu'il reste en pyjama. Enfin, c'est même pas un pyjama, en fait. Ah, venez donc vous joindre à nous et fêtons votre victoire. Oh, vous avez été invité, vous aussi. Ah, mais vous vous connaissez, merveilleux. Je vous en prie, prenez place. Vous allez déguster. Skiford est une ville qui vit traditionnellement des produits de la mer. Quitte à aller au restaurant, le choix ne se pose pas, il faut manger local. Tous les plats... Ah, on va manger des fish and chips, trop bien. Tous les plats de la carte sont plus délicieux les uns que les autres, mais nous ne serons pas déçus. Je suppose que cette chère professeure Magnolia se porte toujours comme un charme. Nous vivons de vos coups, vous savez. C'est elle qui a découvert comment utiliser le pouvoir des étoiles vœux pour dynamaxer les Pokémon. Sans ses travaux, jamais nous n'aurions pu frapper les poignées Dynamax. Oui, mais nous sommes encore loin d'avoir élucidé tous les mystères du Dynamax. Je dois avouer que ça la préoccupe. Elle me force même à emporter un détecteur de source d'énergie dès que je sors. Oh, un détecteur de source d'énergie, c'est si pratique ces petites choses. Vous savez, c'est grâce à eux que nous avons fait découvrir ces lieux riches en galarions qui permettent aux Pokémon de se dynamaxer. Mais je suis navré d'apprendre que cette chère professeure m'a est préoccupée. Si seulement je pouvais faire quelque chose. J'ai peut-être une idée. Live, unlearn. Oh purée, elle en fait une sacrée tête quand même, hein. Veux-tu bien donner à Sonia l'autorisation de visiter la salle des reliques de Kick'n'Am? Je suis persuadé que la clé des secrets du Dynamax est liée à l'histoire de notre région. C'est noté, monsieur le président, je vais arranger cela. Sur ce, dois-je vous rappeler que c'est que l'heure tourne, monsieur le président? Oh non, je voulais discuter, c'est dommage, que voulez-vous, c'est la dure voix du PDG, mon temps ne m'appartient pas, je ne vis que pour Galar, mais quel genre d'homme serais-je si je faisais attendre ceux qui ont besoin de mes lumières? Il est à fond. Du coup, il mange pas. Pfff, il fallait vraiment qu'il me parle de la salle des reliques, je suis obligée d'y aller maintenant. Mais bon, il a sans doute raison. Si j'ai bien une chance de trouver des infos sur la légende, c'est là-bas. Au fait, vous avez obtenu le badge haut, bravo. Donna est une adversaire coriace. Vous avez bien mérité cette CT pour la peine. Ah, oh, merci. Est-ce qu'elle aime pas Donna? Bah, peut-être bien. En parlant de Donna, c'est une bonne copine. Je vais aller lui faire un petit coucou. Bon, bah ça va, visiblement. A plus, Challenger. Ah, c'est une rivale de d'ancien temps, tu comprends. De jeunesse, voilà. On pouvait manger du frou sardine, tu penses, vu ce qu'il y a par terre? Mais... Merci. Le président Chiro, je pense. Non, ça tu l'as déjà dit. On peut lui parler au cuisinier? Non. Oh ouais! Oh ouais, c'est le goéliste. Ah ok. Oh, toi aussi t'as le badge plante et le badge eau, c'est ça? Eh oui. Incroyable! Dans ce cas, notre prochain adversaire, ce sera le même. Kabu, le champion de Motorbuy. J'ai juste entendu dire qu'il suivait un entraînement spécial dans la mine de Galar numéro 2. Donc à mon avis, ça sert à rien de foncer tête baissée à Motorbuy. Ah! Mais oui, c'était son arène! Ah bah oui, autant faire un crochet par ami, dont on va peut-être sur lui avec un peu de chance. Et Miroir, il évolue tard aussi. Et là, en fait, il faut un objet et tout, je sais pas. Ah, mais ça, c'est. Ça, c'est toujours ma hantise. Ah, s'il arrive au niveau 40, je me douterais de quelque chose. Faut le faire pour battre Donna. Ah, tout le monde est déjà au courant. Mais non, mais il disait déjà ça, lui, hein, tu sais. C'est... Ah, pardon! On t'aime, Ruby! Ah non, mais Ruby. Je suis contente d'avoir joué avec Ruby. Ça m'a fait plaisir. Voilà, ah oui, on entre directement dans la mine. Ouais. Ah bah regarde. Oh, Sonistrel, je veux ça. Oh, t'as un sauve-qui-pou. Oui. Du coup, je me suis empressée de courir après. Qu'est-ce que c'est? Un Sangoku. Ah. Et c'est un Goku. Bon, techniquement, Sonistrel, c'est pas forcément intéressant de le capturer ici. Il y en a plein ailleurs, en fait. Oh bah c'est pas grave, c'est joli comme endroit, tu c'est vois clair que la mine de Galar numéro 2, j'aime beaucoup la mine de Galar numéro 2. Galar 2 bon, c'est un petit peu triste comme nom quand même, hein. Mine de Galar numéro 2, mais c'est sympa. Ouais, ça va. Et super cool, mais je l'ai jamais joué, il faudrait que je l'essaye un jour. Alors qu'à un moment, je voulais jouer à Pokémon X. Ouais, il y a des Paggy Gwen, ouais, il y a Karatrox, ça doit être rare ça. Et j'avais fait une team, j'avais préparé une team Laia, et je voulais mettre Sonistrel dedans. Je sais pas pourquoi, mais je me disais que voilà. Ça lui allait bien. Voilà, les gens voulaient un... Ah mince, c'est une femelle. Bon bah j'avais pas de gueuse mambour du coup. Gueuse mambour. Ah c'est... Ça fait longtemps que j'ai pas capturé un Bagiguan quand même. Au point où ça fait longtemps que vous avez pas vu ce pseudo. Quoi? Le meilleur. Mais d'ailleurs c'est très cool parce que dans les cavernes du coup on se fait pas agresser. Mais je viens de voir ce que tu... Y'a BD! Va-t'en! C'est encore toi! Non! Non! Je cherche des Pokémon sauvages, là! Y'a un pêcheur, un ouvrier derrière! Ne te méprends pas, je suis pas venu ici pour affronter les dresseurs de la mine. Vu la faiblesse du niveau général, ça serait bien trop dégradant pour mon équipe. Mais moi, je veux attraper des Pokémon, je veux pas te parler, BD! Ouais, bah t'auras pas le choix. Moi, je veux faire la causette, tu comprends? Tu sais ce que c'est? Personnage. Wouah, ça brille en bleu.
Ok, ok. Vu la faiblesse du niveau général, ça serait bien trop dégradant pour mon équipe. Remarque, je pourrais être miséricordieux et tous vous vaincre pour vous épargner des souffrances ultérieures. Je vais commencer par toi d'ailleurs. Tu me fais pas rire. Laisse-moi te montrer au combat l'étendue du gouffre qui nous sépare. Bon, allez, je te bats quand tu veux, où tu veux là. Tu m'as énervé. Mais t'es sélectionné par le président de la Ligue en personne, t'as aucune chance! Non, mais le gars quoi, mais il est. Tu sais, tu t'appelles juste Lee, hein. Ouais, mais mon nom en français c'est Travis. Tu dis tout de travers. Ah ouais, tu donnes des coups de pied à mon ballon. Je dois avouer que t'as un peu progressé. Juste j'avoue que moi j'ai un ballon en fait, comme Pokémon aussi. Regarde. Ah ouais. J'ai un ballon de foot. J'ai rien senti, BD. Qu'est-ce que t'as fait là? J'ai pas vu. Ah, c'est dommage, hein, tiens, et hop, ballon de foot. Ah ouais, mais c'est vrai que bon, une coccinelle ça fait un peu ballon de foot, effectivement, les points noirs. C'est pas une coccinelle, c'est un coléo. Non, je rigole. Pardon. C'est de la même famille. Pardon. Ouais, bah, si tu veux. Bon, je peux battre ton Nucleos. C'est vrai que là, dans ma team, j'ai que deux Pokémon qui peuvent se battre, hein. Je veux pas dire, mais bon. Ah, moi ça va. J'en ai quatre. J'ai pas mal, moi, quand même. Hein. On dirait tellement un Pokémon ténèbre, ton cornèvre, j'allais dire. Eh ouais. Je vais faire aiguisage, justement. Je vais lui montrer ce que c'est être un Pokémon ténèbre. Oui, en plus, t'as une attaque ténèbre. Ah, il fait psychoc. Rien à faire. Vous croyez que Lombardie, il va avoir mal. Oh, ah non, ça va. Ah mince, il a tombe roche. Oui, mais ça va pas, finalement. Eh, ça m'avait rien fait. Ah, je me disais aussi. C'était louche. Donc, attends, il a tombe roche et il me fait choc. J'avoue. Attends, en attendant, je vais t'envoyer mon rocher. Mais il continue en plus, hein. Ouais, moi, là, je le temps que je moi, ressuscite... Moi, la communauté des types, je connais, hein, vous allez voir. Je ressuscite mon Pokémon. Voilà. Mon petit miroir. C'est pas bien de casser les miroirs, 7 ans de malheur, BD. Quelle arrogance. Tiens, prends-toi mon nitrocharge. Ça fait trop mal, du coup. Incroyable. Oh là 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 là. Ah, il nous attendait pas patiemment. Il était juste là comme par hasard. Il était ici, c'est tout. Allez, vas-y, tue Nutella. Bien joué. D'ailleurs, il a des Pokémon bien mignons pour quelqu'un d'aussi arrogant quand même. Je veux pas oui, dire, mais. Oui, j'avoue. Et c'est pas parce que je suis arrogant que j'ai pas le droit d'aimer les Pokémon mignons. Ah, alors je dis pas, mais bon. Bon, hein. Ah, puisque c'est ainsi, je vais te faire goûter une capacité dont tu me diras des nouvelles. Tu l'as super. Tu l'as fait une attaque super efficace. Et moi, je lui ai montré que Lombardie était bien plus arrogant que lui, tu vois. Donc. Voilà. Allez, viens, roulis. Tu vois, tu dis, j'ai que deux Pokémon, mais. Mais au moins ils font des dégâts, moi les miens ils ont un peu plus de mal. En même temps, tu sais, Lombardie avec côté depuis le début quasiment. C'est le premier Pokémon que j'ai attrapé en fin de compte. Ah, mais moi j'ai fait aiguisage aussi. Il s'est affûté les serres avant d'aller. Enfin, elle, c'est une fille. Mais bon, j'aurais pas dû l'appeler Falco Lombardie parce que c'est. Ça fait trop. Ça fait trop Falco, du coup, quand même. Quoi? Ça peut pas être la fille cachée de Falco? Ouais, c'est vrai que hein, c'est la fille de Kazooie et Falco. Ponyta! Ah, il a un autre Pokémon! Ah, moi, j'étais en train de frimer en mode j'avais gagné. Je t'attendais et tout. Les gars sont dessus, bien sûr. Ah, mais franchement, c'est vraiment super agréable le fait qu'ils aient tout accéléré comme ça. Là, ça m'éprend pas un milliard d'années d'apprendre une attaque, de faire machin. C'est cool, franchement. Allez, viens, Lombardie. T'as réussi à me pousser dans mes derniers embranchements, je t'en félicite. Hein. Bien joué.
Alors qu'est-ce qu'il va faire ton petit Ponyta? Il est vraiment tout que mignon. Les Pokémon mignons. Il est tout mignon, il est tout gentil. Regardez l'arrogance. Allez hop. Au revoir Ponyta. Il a pas fait une seule attaque avec tous ses autres Pokémon. Oui, mais en même temps t'as fait aiguisage au début, t'étais tranquille après. Du coup, tu vois, moi, il a même pas pu frimer en mode « Ouais, regarde, je te montre mon attaque trop bien. » En attendant, je veux pas dire, mais Travis, lui, au moins, il a attrapé des Pokémon. Oui, c'est vrai. Mais Nabil, il est bien avec ses trois Pokémon actuels, c'est pour ça. Après, bon, hein, si ça lui va, c'est bon, hein, effectivement. Qui sommes-nous pour juger? Travis. Ah, tu es bien brave, donc j'ai piqué de toi, je t'ai laissé gagner. Super, merci. Bah, rajoutez-lui des petites joues rouges, c'est pas parce que... Oh, bon, après, c'est... J'ai l'impression que tes Pokémon, ils évoluent tout le temps. Bah, et ouais. Moi, non. C'est parce que j'étais trop énervé que t'avais fait évoluer des Pokémon pendant que moi, je n'en avais fait évoluer aucun avant. Alors là, je me rattrape. C'est vrai que moi, j'en ai fait évoluer en off. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau à me dire sur Linéon? Il provoque ses adversaires avec sa longue langue pour les mettre en colère avant de les plaquer au sol avec un puissant tacle. D'accord. Il a l'air très énervé. Mais non, il a pas en tronche lui. C'est trop bien. Oh, en plus, son œil, ça fait une étoile filante, c'est trop bien. Franchement, ouais, non, Linéon. Ah, ouais, en fait, il fonce. C'est comme une étoile filante. C'est ça. Mais ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je préfère quand même Gladio à BD pour le moment. Bah, lui, je le savais, lui, je le savais en fait. Mise à jour. Excellent! Mais moi j'ai jamais vu ça! Bah ouais, moi, je sais pas pourquoi je l'ai tout le temps, je l'ai eu trois fois déjà! Il reste encore des Pokémon à capturer! Courage! Pourquoi t'as des évaluations de Pokédex et pas moi? Qu'est-ce que j'ai? J'ai un plugin en moins dans mon Pokédex là! Je suis sympa, moi! Il est pas mis à jour, mon outil sur ma phone! Tu vois, moi je suis sympa! Toutes mes excuses, il semblerait donc que tu sois pas irrémédiablement lamentable, mais tout simplement pitoyable! Ah, en fait, tu te prends pour Shinji, je vois! Quoi qu'il en soit, tu es bien loin d'avoir le niveau suffisant pour le défi des arènes, mais tu as bien mérité une image pour l'effort, tiens, prends donc un quart de lit! Bah, c'est sympa, merci! Ranger! Tu m'excuseras, mais j'ai des étoiles vœux à collecter. Allez, salut. Pourquoi tu veux des étoiles vœux? Parce que je veux faire un vœu. Ça va, notre perso le prend bien. Bah, ah, ça y est, j'ai Ah bah non, j'ai 100 coquilles. Oh, il y a un baraque. Ah, le machin. Opermine. Ouais, je vais peut-être pas capturer tous les Pokémon, finalement. Tu dis ça parce que t'aimes pas ce Pokémon? Oui. Tu vois, il y a pas beaucoup de Pokémon que j'aime pas, mais celui-là, j'aime pas. Ah, t'as trouvé un. Et là, Quickies. Usopp. On va passer par le Celtas. Est-ce que je veux vraiment un couple? Voilà. Il est là, le vrai. On l'a récupéré. C'est bon. Moi, je l'ai, tu vois. Moi, je l'ai. J'espère qu'il va attraper sa maison après. Ah bah, ça dépend. Ah bah, voilà Karatrok. Alors, attends, ouais, c'est bon. J'allais dire maintenant, avec toutes ces bêtises, j'ai complètement oublié comment je voulais appeler mon Pokémon. Que je m'amour. Le voilà. Ah, que j'ai jamais joué non plus avec Gazmamour au final. Ah, mais oui, il y a les Bagiguan aussi. Attends, on a pas eu encore. Bah, j'en ai pas vu, je me demande si. Oh, je me suis fait attaquer par un. J'ai du lait meumeux. Par un Limonde. C'est une mimique. Je savais pas que C'est une mimique. Tu t'es fait attaquer? Je me suis fait attaquer par un paillasson. Ça là, là, oui! Oh, puis t'as mangé! Ah! Ah! Il se cache dans la boue et attire l'attention de ses proies avec son étrange bouche. Il les coince ensuite dans ses nageoires d'acier dentelé. Ah, ok, il est sol acier. Allez, viens! Regardez ça, il y a personne! Ah, si! Ils arrivent. Oh, magnifique! Magnifique, oh, il est magnifique ton. Oh, incroyable! Il est génial! Alors, au menu ce soir, on va cuisiner. Du petit boulet. On va cuisiner un tubercule. Alors qu'est-ce que j'ai comme Pokéball après? Trop de la chance, je peux manger quoi. Moi je dois rester là à jeter des Pokéballs sur un truc qui est nul. Je t'en laisserai une part si tu veux. Ah c'est sympa. Oh. Ah c'est joli. C'est joli. Très belle présentation. À force de vivre dans la boue, riche en fer, son corps s'est transformé en acier très solide. Ah oui d'accord, oui. C'est le camping de la déchéance. Quoi, mon camping? Comment ça, c'est le camping de la déchéance? Il est très bien, mon camping! Regarde!
Elle est pas mignonne, Nami, qui vient, là. Mais si. Elle veut jouer encore un peu. Nami s'intéresse à vous. Regarde, il arrive, le... le poisson. Ah oui, Toto. Lui, je pense qu'il est content. Allez, viens jouer. C'est le meilleur, lui, bien aussi. Jouer. Oh, mon Dieu. Allez, viens, regarde. J'ai envie de manger un petit tu steak. Tu vas me foncer dessus, qu'est-ce que tu vas me faire? Je vais manger un steak haché épicé, là. J'ai envie. Il m'a foncé dessus. Et oui, c'est la façon euphorbe, c'est comme ça qu'on joue avec ses Pokémon. Là, j'ai besoin de protéines, comprenez, là. Oh là 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 là. Oh, tu veux jouer aussi, Conan? Allez, viens, viens, viens. Oh là là, allez, on s'entraîne, on fait le combat. On fait le combat. Purée, j'arrive pas à l'allumer, ce feu. Ah, quand même. Purée épicé au steak haché. Ah, regardez-moi ça. Ça, c'est bon, ça. Oh. Oh, c'était bon. Ah bah oui, mais j'avais trop faim aussi. Voilà, parfait, tout le monde a mangé. Alors c'était bon? Eh bah vous avez pas fini de jouer, vous deux, depuis le temps? Alors qui c'est qui va aller me chercher? Ah, ça y est, il a fini de jouer. Il a fini de jouer, Rouli. Non mais regardez-moi Nami qui va chercher la baie, la balle. Regardez, regardez-moi. Ah mince, je l'ai ramené, pardon. Non. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oh, Polyrush, ça sert plus à rien maintenant que tu fais. Ok, d'accord, elle en a rien à faire. Incroyable. Mais pas ton lapin. Mais oui, mais moi je voulais jouer. Dans la tête. Mais n'importe quoi, mais moi je voulais jouer avec... Avec Nami. Avec Nami, parce que... Elle est incroyable, regardez-moi ça. Regardez-la, elle en a rien à faire. Oh, le lapin, il est speed. Il est trop content, regarde-le. Il a oublié. Il est juste content. Ah ouais, non, mais c'est bon, c'est tout ce qui compte de toute façon dans la vie. J'ai cru que Nami était un peu intéressée, mais pas du tout. Peut-être que si. Ah non, c'est la pyro qui... Ah bah, il galère un peu quand même, hein. Dès qu'il lui a volé. J'ai plus de ballon, tu m'en donnes une autre, s'il te plaît. Moi je. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Bon, allez, on sort de là, je suis désolé. Hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Nami est déçue. Mais Nami, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais elle voulait y aller, je voulais juste zoomer et il a gagné plein d'XP. Bah, c'est pas mal. Shooté dans un ballon, c'était. Alors, c'est qui le premier là? Allez, on va essayer un peu. Rageux. Pourquoi il s'appelle Rageux? Ah, oh, je sais pas, j'avais pas d'idée sur le coup. Je suis pas un combattant, je suis juste un ouvrier. Ah, mon Pokémon il débarque d'énergie, il tient pas en place. Bref, il veut se battre. Comme okay, ça, coup de poing, coup de poing, coup de pied, coup de pied. Yes! Jibi! Je connais pas Jibi, je fais un clin d'œil et je t'envoie un Wagomine. Ah, ça s'appelle un Wagomine. Wago. Ah, mais oui, tu vois. Ah, ils m'ont bien eu. Ah, ils m'ont bien eu. Ah, c'est des malins, ils m'ont bien eu. Mais oui, c'est Wagon. Bah oui, parce que le W, ça se renonce sous V, bien sûr, évidemment. Hop. Ah bah désolé, hein, quand moi je vois WA au début, hein, tu peux comprendre, oui, je peux concevoir. Comment allez-vous? Eh bien, ça va, ça va. Nous allons bien, merci. Et bonsoir, du coup, par la même occasion. On a perdu, mais bon, au moins, mon Pokémon s'est enfin calmé. Ah. Qui c'est qui va prendre Tourmente? Nami. Ne prenez pas Tourmente. Tourmente pas les gens, Nami, c'est pas grave. Bonjour, vous dormez le jour? Bah non. Pas spécialement, enfin... On dort tout le temps. Non, on dort jamais. On dort pas plutôt, oui. Ça sert à rien de dormir. Ah, attention, un piège. Oh, il y en a partout, en fait. Quelqu'un veut m'affronter? C'est toi qui veux m'affronter? Tu me vois? Tu me vois pas? Tu me vois? Tu me vois pas? Tu me vois? Tu me vois pas? Tu me vois? Elle ressent ta présence, mais... Tu me vois? Tu me vois pas? Qu'est-ce qu'on fait? On se bat? On se bat pas? Elle ressent ta présence, mais elle est pas sûre. Bon, bah, je m'en vais, hein. Ah, bah non. J'en ai marre de bosser. Je vais plutôt utiliser ce que j'ai appris sur le chantier pour me battre. Un Wagomine. Ah, mais c'est même ma Pokéball, c'est ma Filetball dans la main. C'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est normal. Regarde, c'est le Pokémon Fermeté. Ah, rien à faire, j'ai double pied. Bon, après... Je lui fais pas de... Ah mais oui, il peut avoir armure rouillée en fait. Mais après je lui fais pas de dégâts, donc bon, c'est pas très grave en fait. Alors, remarque, double pied et armure rouillée, ça va pas très bien ensemble. Enfin...
Bon, après, c'est pour faire charge. Après, hein, ça monte juste la vitesse. Et puis, il est toujours plus lent. C'est dommage. Attention, la vue des mineurs est basée sur le mouvement. Ah, c'est bon, tu bougeais pas. Du coup, ah, voici Charpentier. J'ai qu'une attaque. Oh, et c'est une attaque en deux tours, c'est dommage. T'as quoi? Plongée. Ah. Ah, il a fait puissance comme tout le monde. C'est un Pokémon combat, ça fait puissance, c'est tout. Après, ah, je me demande si le fait que les Pokémon apprennent pas grand chose, c'est pour le... c'est parce qu'on a énormément de CT toutes les 5 minutes. Et qu'on peut les farmer à l'infini dans la grande plaine. Les terres sauvages. Ah, il fait balayage, joli miam miam, c'est caché. Joli miam miam. Alors, tu trouves qu'il est si joli miam miam que ça? Tu mangerais toi l'embrocher? Non. Alors, c'est pas un joli miam miam. C'est pas grave. Ouais, il a rien donné comme XP. J'ai battu l'ouvrière. Apparemment, on n'obtient pas les mêmes compétences au boulot et au combat. Mais c'est pas grave, elle est contente quand même. C'est tout ce qui compte. Ah, une Pokéball. Ah, mais du coup, là, c'est un petit labyrinthe quand même. Attention, il y a un mob. Oh là. Oh, oh là, c'est le bon chemin. Bah non, en fait, c'est juste un lac. Oh, il y a un tritosaure qui nage là-bas. C'est trop cool. Bon, par contre, mon embrochet, je sais pas s'il va vraiment faire le poids face à eux. Ouais, il y a un sinistre. Un sinistrel, pardon. Quoi, te revoilà, c'est pas possible. Pardon de te déranger, mais t'es bien une challenger, non? Non. Voilà, oh là, super impressionnant, tu peux bien nous accorder un petit combat. D'accord. Ah, t'es là. Ouah, t'as déjà trouvé des groupies, on dirait mon frangin. Mais t'es qui, toi, on t'a pas sonné? Je m'appelle Nappy, je suis le prochain maître. Non mais lol quoi, on sait tous que le prochain maître c'est Rosemary. Quoi, vous dites encore lol en 2019? N'importe quoi, vous allez le regretter. Hein. Allez, on va leur montrer. Oui. Non. Et ouais, on est recommandé par le maître en personne, vous allez voir ce qu'on sait faire. Pouah, vous êtes vraiment à la ramasse. Heureusement qu'on est là pour montrer ce que c'est la dure réalité du défi des arènes. Pourquoi il a fallu qu'il rapide l'autre naze? C'était bien notre plan d'embobiner les challengers en étant poli pour mieux les dégager un par un. Dommage. Vous avez eu un Pokémon coup de cœur pour l'instant? Bonne. Non. 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 Ah, j'avoue, je sais pas. Si j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Pour l'instant, non, je dirais que j'ai pas eu un énorme coup de cœur. Ce serait bien que je l'appuiera éventuellement. Non, que le combat commence, comme on dirait. Efficace. Ah oui, moi j'ai jamais vu l'Inéon. Ouch! Franche nuit! Sur mon joli miam miam! Ouais, il fait mal! Oh oh oh! Bien joué! J'ai évité l'attaque. Ah ouais, d'accord, Nabil. Mais merci Nabil, hein, franchement. Je sais pas trop ce qu'on ferait sans toi, là, quand même. Hein. Double pied! Bon, j'aurais dû attaquer l'Inéon aussi, hein. Je sais pas pourquoi je l'ai pas attaqué. Parce que je pensais que Nabil allait faire un truc. Ouais, j'avoue, t'as encore un bon bouton en fait, Nabil. Ouais, t'as vu. Il fait de son mieux. Oh non, son bon bouton est KO, le pauvre. Je vais te venger. Après, je pense que ça irait mieux pour lui s'il faisait des attaques et pas rugissement, tu vois. Ouais, il a fait double pied quand même. Mais sérieux, il a fait double. Il a double pied, pourquoi il fait rugissement du coup? Ah, moi, non, rugissement c'est mieux. Ah, il a un Lépardas. Attention, l'ennemi ne peut plus manger de baies. Ah, il a bientôt évolué, mon Magikarp. Ah, laissez mon joli miam miam tranquille. Non. Ah, ah, il a... Et lui, il va me finir, c'est ça? Regardez-le. Ah. Ah, nous on sait, c'est le joli miam miam qu'on veut. Si joli miam miam qu'on veut. Bon, là je suis dead moi. Ah, ouais, carrément. Mais oui, mais il est pas en. Mais non, mais faut que j'arrête, hein, moi. Bon, Pandispieg aussi, mais personne joue avec Pandispieg normalement. Bon, ça va, ils attaquent. Allez, le panda attaque. Attaque ou mouton, s'il te plaît. Les Pokémon doivent s'entraîner. Non, ouais, il attaque mouton. Bon, il est mort, mouton. C'est pas grave. Parce que il gagnera pas d'expérience de toute façon. Oh, pauvre Bleuzeil. Qu'est-ce qui lui arrive? Il s'est fait paralyser.
Allez, vas-y, je tue le léopardas. Tu fais une attaque picor sur le camp d'espiègle, ça serait pas mal. Tu fais pas rugissement. Moi, j'ai pas du tout fini. Il me reste encore deux Pokémon à battre. Ah, il y en a encore? Bah... Ah, t'as pas battu Linéon? Non. Allez, c'est pas grave, je vais attendre un peu ici, histoire qu'on ait un peu de la musique, tu vois. Ah oui, bah oui. C'est gentil, merci. Bon, après, c'est en admettant que Nabil lui fasse des dégâts, parce que c'est pas impossible qu'il fasse un truc du style rugissement. Après, aiguisage. Je viens de perdre ma précision, donc du coup, peut-être que je vais rater mes attaques. Ouais, bon, bah, tu l'as tué un coup, déjà. L'autre, par contre, attention. Tu ne vas pas pouvoir faire la célèbre technique du double pied. Et cela échoue. Tu vois quand même le bras de Nabil, ça choque un peu. Hein. Enfin, Il y a un bras. Pourquoi je peux pas lui faire double pied? Parce que ça sert à rien. Ah bah oui, c'est un Pokémon combat. Bah, je comprends pas pourquoi je peux pas lui faire double pied. Je peux, hein, même si c'est un Pokémon combat. Ah bah tu peux, je lui ai fait, mais ça a rien fait. Parce qu'il a la balayette. Ah, il fait picor! Parfait. Du coup, on a battu Pandespiègle. Oh, allez. Moi, j'imagine que j'ai raté mon attaque parce que je suis paralysée, c'est ça? Ah, je croyais que t'avais baissé ta précision. Oui, c'est ça. Enfin, j'ai raté mon attaque parce que j'ai baissé ma précision. Mais t'as dit parce que je suis paralysé, non? Non, c'est lui qui est paralysé. Moi, je vais bien. Ouais, il t'a fait trébucher. Mais bien, t'as encore raté, au fait. Mais non! Mais... Nabil, tu peux faire pic-pic! Mais Conan, il est fatigué. Ah oui, il veut se coucher, on le sait. Il n'arrête pas de le dire. Allez, Conan, incroyable, tu peux ton le faire. Pokémon. Voilà. Plus vite on aura terminé ce combat, plus vite on pourra aller camper. En fait, il dit qu'il veut aller se coucher, mais c'est un prétexte pour manger du curry. Ouais. On a perdu, mais où est le reste de la team? Alors, on peut pas faire une chance de gagner si on avait... je sais pas lire. Toi, t'es le petit frère du maître, non? Je suis sûr qu'il t'a entraîné. Il y a des frères mieux que d'autres. C'est également pas juste. La team nous vengera. Bien joué. On fait vraiment la paire. En fait, t'as vu Cabu, toi? Parce que moi, non. Continuons de chercher, on va bien le trouver. Est-ce que mes Pokémon sont soignés? Bah, je vois pas pourquoi ils le seraient. Ah, c'est bon. Bah, si, ils sont soignés. Parce qu'on est gentil. Ah, c'est un cookie. Oh, ah, la grosse tortue. Sauf qui pou. Ah, un objet. Ah, t'avais un sauf qui pou énervé. Ah, oui, j'ai même pas fait attention. Bah, il est parti se cacher. Ah, bah, y a un sauf qui pou qui est apparu directement. Karatrok. Ah. Oh, là, y a un dresseur. Et là, y a. Ah, le fameux, un j'ai piège. Eu, j'ai eu l'objet le plus important. Ah! Le sable. J'ai eu l'objet le plus important. Le fameux. C'est le l'objet pour faire votre team stratégique. Personne ne résiste à la puissance de la vapeur. Et tu vas faire quoi? Ébullition. Quoi toi du coup? Le cheminot. Ah. D'accord, on affronte des cheminots en plein milieu de la mine, bien sûr. Je vais regarder les rails si on pouvait faire passer un train par ici, pourquoi pas. Ça me paraît pas mal. Oh, dommage! Oh oui, c'est vrai, toi et ta fabuleuse attaque plongée. Ah bah, on fait avec ce qu'on a. J'ai vu que tu pouvais acheter surf. J'ai vu que tu pouvais acheter surf. Bon, après, tu veux pas forcément l'acheter pour... pour joli miam miam, j'en doute pas, mais... Oh, comment ça, tu veux pas l'acheter pour joli miam miam? Ah! Le revoilà! Ah, mais il s'appelle Lazare, comme la gare. J'ai compris. Je trouve la pyro toujours aussi mignon. Ah, c'est bien. Faut aimer tous les Pokémon. Faut aimer tous les Pokémon. Sauf Opalmin, sauf machin. Sauf Opermin. Pas lui. Lui, non, c'est pas possible. Bah, mais je sais pas, je veux dire... Ils sont un peu craqués quand ils ont inventé ce Pokémon. Qui est le designer? Je veux dire, non mais... Je veux dire, bon... Je veux dire, c'est un caillou avec des mains et avec des yeux, enfin... Quoi? Mais pourquoi? On va en faire un Pokémon, trop on bien. Va en faire un Pokémon, c'est bon. Ouais, tu penses que c'était pas mieux un tas de rochers vivants qui ressemblent à un serpent? Bah ouais, bon... J'ai pas des mains, au moins. Avec c'est des pas, yeux. C'est... Bah, il a des yeux, le serpent. Hein. Que de la critique, moi, je dis. Oh! Mon poisson évolue! Oui, il évolue super vite. Joli miam miam évolue. Est-ce qu'il va devenir un plus joli miam miam? Oh, ça va! Ah, ça devient une torpille! Oui, c'est trop cool! Pas mal! C'est pour aller avec Foussardine.
C'est le sous-marin qui tire les... Il charge d'un coup en faisant tourner sa nageoire caudale. Il peut transpercer ses proies à une vitesse dépassant ses 100 nœuds. C'est dangereux. Ouais, c'est une torpille. Bon, je vais le ranger, hein, parce que... Alors, t'es prêt à partir? Ouais. Oula, attention. J'ai failli foncer dedans. Il y a des pièges partout dans cette mine. Elle est plus... Il veut attraper un sans coquille. Moi, il veut un hooper mine. Ah non, d'accord, c'est juste... Il y a crado faux. Ouais, merci pour votre contribution à mon entraînement, j'apprécie vos efforts. Mais je vous reprenne plus à déranger un wagon. Un wagon, un wagon mine. Un wagon mine dans son travail. Mais on voulait pas le déranger, on voulait l'encourager. Ouais, on sait reconnaître quand elle est vaincue, allez hop, on remballe. Un wagon mine. C'est bien beau les encouragements, mais rien ne vaut l'application et les efforts. Wago. Wago. Eh, c'est Cabu. Comme il les a incendiés, c'est pas pour rien que c'est le champion de type feu. C'est bien. Les challengers recommandés par le maître, pardon, je suis en plein entraînement. Je mets un point d'honneur à offrir un combat des plus stimulants aux challengers. La mine de galard numéro 2 regorge de Pokémon eau. Un véritable défi pour mon équipe de type feu. Mais c'est pas censé être quand même un peu plus fort. Enfin, assez parlé, il est temps de rentrer. Vous êtes en route pour Motorbike, je suppose. En ce cas, continuez tout droit, vous y serez. Allez vous reposer à l'hôtel pour être frais et dispo pour relever le défi des arènes au plaisir. Viens, mon brave Wagomine. Wagon. Oh, je te raccompagne. Wouah. Les brillants combats nous attendent demain. Allez, salut, à plus. Hop. Eh, ils vont en courant, attention. Hop. Mon frangin m'a parlé de Cabu. Plein de challengers abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à le vaincre. Du coup, va pas falloir se relâcher. C'est parti. On fait la course. Ouais, mais on va gagner. T'imagines, il y avait un Pokémon, tu l'as vu et tout, et... Oui, j'avoue que... Et tu peux pas... Ah, on se TP direct? Non. Ah non, ça va. Le wagon mine de tout à l'heure était très... Il devait être là pour un Poké Service, tu sais ce que c'est? Bien sûr, j'ai envoyé mes Pokémon tout à l'heure. C'est déjà tout, super. Bon, on file se reposer à l'hôtel, on a toujours nos chambres Rosebonton d'or de Motorbike. Il faut qu'on soit en forme pour affronter le Cabu, le champion de la type arène feu. Type arène feu? Type arène... Simulorbre, Smogo. Ok, des Noirfang. Simule. J'ai foncé sur un Smogo. Mais je devrais peut-être pas. Oh, une pièce rune. Alors que non, t'as rien à dire cette fois? Est-ce que je vais le tuer? Parce que bon, nitrocharge, c'est pas fort. Ah oui, ça va. Oh, mais c'est... Oh! Un bibichute. C'est quand qu'il y a des bébés chutes? Ah bah. Ça veut dire qu'il a été ici, BD. Ouais, il a l'air de faire téléport par contre. Non? Ah non. T'attrapes quoi, toi? Un Smogo. Ah, il est cool quand même, Léviator. Mais ouais. Il est pas très poli, mais... C'est d'une nature très agressive. Les lasers qu'il tire de sa bouche sont capables de désincarner n'importe quelle cible. Oui, bah, il suffit de tirer des lasers, bien sûr. On rapporte qu'il y a longtemps, ces Pokémon amateurs d'air pollué étaient beaucoup plus nombreux à Galar. Et maintenant, ton bibichute. La protubérance sur sa tête lui permet de percevoir les émotions des êtres vivants et lui accorde sa confiance causée en gens calmes. Au revoir, la Lagiacrus, merci pour tes fils de... tes très bons services, notamment. Bon, on va essayer d'attraper Simularbre. Même si c'est plus de B, de Super Bowl, du coup. Oh, Scalpion! Trop bien! En fait, si tu vas trop vite, t'éteins ton feu aussi, c'est pour ça. C'est vrai? Oui, mais... Non, mais là, tu peux y aller, c'est bon, mais... Voilà, on va manger le meilleur curry de tous les temps. D'ailleurs, oui, il est là, alors qu'il est mort, hein. Je tiens à dire qu'il est en train de regarder la préparation du curry alors qu'il est mort. Il sait, c'est pour ça. Ah! Trop bien, le Goeli. Ah, c'est bon. Ah, techniquement, c'est moi qui suis en retard, là, maintenant. Mais moi, je veux voir Nami qui va jouer avec... J'ai un curry de retard. Qui va jouer avec le ballon. Mais non, vous vous moquez de moi aussi, là. Moi, je veux juste jouer avec Nami, avec le ballon. C'est tout ce que je veux faire. Et vous faites que m'embêter tout le temps, hein. Oh, mais il est tellement content. Allez, c'est bon. Oh là. On va parler un peu. Oh là, mais regardez-le, lui, qui me fonce dessus. Eh non, mais arrêtez, hein. Bon, allez, on va aller affronter cette petite madame. Oh, bonjour, jeune dresseuse. Accepterais-tu de te mesurer à une grande dame de ce monde? Clémence la mondaine. Pas de spoil.
Même si j'ai dit j'aimerais bien, blablabla, je sais que du coup... Je t'ai trahi, attention. Je tends la perche pour qu'on me réponde. Étincelle. Au revoir, Voltoutou. C'est un plaisir de t'avoir rencontré. Ouais, niveau 29 quand même, le tien. Eh oui. Après voilà, désolé, c'est de ma faute, j'ai demandé... Je me demande où on sait pour le bonheur. Ah mais c'est un Rhinolove. Eh ouais. Choc mental. Et là on dit, heureusement, que la pyro n'est pas type combat. Heureusement que la pyro... Pauvre de bois. Ah, pas le droit de savoir ce qu'elle dit. Bah je verrai ça plus tard. Moi j'étais pressé, tu comprends? Ah, en fait là je suis en train de la taunter, c'est ça? Une certaine expérience de combat, j'avoue. T'es trop méchant. Oh, en plus il nous donne la pièce rune juste avant elle. Tu l'avais équipée toi? Non. Oh 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 oh. Mais toi t'es quoi du coup? T'es pas un cheminot? Bah non, lui c'est un policier. Ah, tu es en état d'arrestation, gna pour te battre contre moi. Ah, c'est Akira, c'est Akira le policier, mais incroyable. Il est là. Ah, par contre, eh oui, forcément. Ah, évidemment. Mais t'inquiète pas, Kelios. Heureusement, il a fait juste gros yeux. Il avait pas très envie de se battre. Il est sympa. C'est un gentil policier. Ah, d'accord, oui. Ah, mais c'est une stratégie comme une autre. Ça nous dépasse un peu. Nous, on comprend pas forcément tout. Mais... Allez, allez. Roue de feu. J'avoue, on n'a pas appris roue de feu. On attaque dans le genre. Moi, je préfère faire nitro charge. Ouais, mais je veux dire, on se bat à coup de nitro charge quand même. Ah, mais il y en avait qu'un. C'est bien mieux. Rien à redire sur tes Pokémon, ils sont en règle, tout comme tes techniques. Il a l'air content. Ah bah écoute. Vaut mieux qu'il soit content qu'il soit triste, tu sais. Nya. Bah ça évolue vite en fait. Oui. Pour ça que quand j'ai fait ma première partie dans Blanc et Noir, aussitôt capturé, aussitôt remis dans le PC. Mais c'est un Pokémon de la 5G, ça devrait évoluer au niveau environ 90 pourtant, je comprends pas. Bah oui, mais c'est un Pokémon de début de jeu et ça évolue tard pour un Pokémon de début de jeu. On se laisse facilement éblouir par son pelage magnifique et son allure élégante, mais gare à son caractère imprévisible et agressif. Alors, est-ce qu'on va se faire attaquer sur le pont? Est-ce qu'on va trouver des objets sur le pont? Ouais. Une sprint. Une armure. Une esprit. Bonjour. Oh. Quand Vaillus est en pleine forme maintenant, au point qu'il est parti rendre un Poké-service. D'accord. Pokéball, Super Ball. Ah ah. En plus, c'est un personnage roux. Ah, tu l'as retrouvé. Eh oui. Tu l'as retrouvé, elle était là. Ah bah tiens, oui, tu peux lui parler à lui. Ça y est. J'apparais près des stades pour encourager les compétiteurs. Si tu me vois, viens me dire bonjour. Ouais, visiblement, je lui ai déjà parlé. Ah oui, du coup, il fait nuit. Bah oui, on doit dormir à l'hôtel normalement là. Non, c'est. Mais bon, j'imagine que là. C'est oui, bon. Il nous a passé la nuit au bouton d'arbon. Bah, je vais éviter d'y aller du coup. Oh. Je pensais que je pourrais faire une jolie vue, mais... Et qu'il fallait appuyer sur A pour activer la machine. Mais bon, voilà, on se serait bien baladé à... On a fait un premier tour de Galar. Galar Sud. Ah, notre préféré, il est là. Notre fan numéro 1. Ninix. Moi, je vais plutôt me reposer au centre Pokémon, c'est plus chaleureux. C'est plus chaleureux, franchement. L'hôtel, c'est surfait quand même. J'avais fait la même chose, l'eau. Alors du coup, j'avais fait la même chose. Pourquoi le jeter au PC? Mais parce que il était tout simplement nul au combat en fait. Et moi j'étais là, et puis j'étais là. Vas-y mon petit chat mignon, il est devenu bizarre. Bon bah tant pis, au PC. Parce qu'en fait Blanc Noir, je connaissais pas le Pokédex en fait. Et du coup bah je découvrais tout et à chaque fois j'étais déçu. Oh là 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 là. Déplacé.
Mais après, c'est bon, j'ai trouvé Scalpion, Flabébé, Bulbébé, Epirax. Du coup, tout allait bien. Bref, bah merci à tous d'avoir regardé. Ouais, du coup, bah, c'est ce quoi stream. Ce bas d'avoir regardé ce stream, de cette rediffusion, que sais-je, cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Même si, même si rien, oui, non, ça va. On a attrapé plein de Pokémon, tout va bien. Bref, salut tout le monde. Au revoir tout le monde.